Ah, c'est franchement magnifique quoi, avec la lumière du coucher du soleil là. Waouh. Pardon, c'est pas encore le coucher du soleil, mais bon. La lumière est belle. C'est bien, vous avez largement le temps. Comme on dit chez nous, 10. Cadeau. Ah, voilà. C'est pour lui. C'est pour lui. Il me vend le sien, puis il rachète celui-là. Bonjour, Mr. Frank. Salut. Ah, tu vas en avoir tout le temps. Hein. Ah bah, ouais, c'est vrai que j'en ai pas mal, là, du coup. Ça fait plaisir. Quand je suis arrivé, je dis, putain, je vais peut-être le voir ce soir. Ouais. J'étais pas sûr que tu sois arrivé. Si, si, je suis bien arrivé cet après-midi. Ouais. 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 C'est de la route, hein. Un petit peu, ouais. Mais ça va, ça s'est bien fait. Ouais, il fait beau, donc voilà. C'est cool. Je viens de voir que Mustang vient de sortir un modèle. Mustang Mabite. Ah non, c'est Mustang Maqueux, pardon. Perdu. Eh les gars, tu sais la série limitée qui est sortie il y a 2 ans, et ben ça c'est l'original tu vois. En 1200. Et le levier de frein, le cap de frein. Ouais, c'est l'ancien. Bon, ouais. Il roule pas très vite. Hein. Regarde ça. Le mec qui pilote ça, il fait un mètre. Ouais. Elle est incroyable celle-là. Ah ouais, ouais, okay. Disons que là, on est quand même. Bah ouais. Ta chaîne, tiens. Ah, salut. Salut, ça va? Ouais. J'ai dit que je filais un sticker à tous ceux qui viennent me voir, donc ah, ok. Je vais t'en filer un. Moi, je viens de Belgique, moi. Tu viens de Belgique? Ouais. Super, mais j'ai pas mal d'abonnés, en fait, en Belgique, c'est un truc de fou. Non, mais écoutez-moi ce ralenti, là. C'est quoi ce ralenti indécent? Je sais même pas s'il a 600 tours minute quoi. Bon allez, on va boire un coup. Il a un putain de boudin à l'arrière, c'est pour ça que ça porte pas. Ouais. Trop gros pneu. Ouais. C'était bien tenté. Ouais.
T'as vu, avec la bécane quand même. Au Québec, ils appellent ça les chaudes boucanes. Chaudes boucanes. J2. J'ai une ampoule de clignotant qui a cramé, donc on va chez Bafi Moto pour aller acheter une petite ampoule. Ben voilà, petite balade chez Daffy, juste pour le plaisir, parce qu'en fait en démontant l'ampoule de clignotant, elle était juste desserrée. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ceci dit, on est tombé sur ce monstre là. Magnifique. Putain, 1400 ZZR. Oh la vache. Et ils ont une 650 Super Meteor là. Royal Enfield que j'ai essayé. Je vous remets la vidéo là-haut. Super cette moto là. Là-bas ou là-bas? Là-bas. Allez. Allez, on perd pas de temps, on va chercher des copains et on enchaîne avec une balade dans cette magnifique région. Vraie carte postale. Putain, je suis trop bien dans cette position là. Ça me délasse. Eh. Là vous sentez pas, mais elle est en train de me tripoter les fesses derrière là. Est-ce qu'on n'est pas beau là sur cette moto? Si grave. Absence de marquage, par contre présence de gravillon. Oh, c'est hyper dangereux ça. Sans compter que faut prendre un peu de large parce qu'on prend les gravillons plein la tronche. Bon, c'est bien indiqué, d'accord, mais c'est quand même hyper dangereux. Bon là, autant dire que je freine de l'arrière. Hein. Chez Mimi, eh ben, on a mangé les frites chez Momo hier. C'est excellent. Le Road Glide là, c'est celui que j'ai vu le même à Luynes avec la peinture magnifique là.
Ah mais c'est sympa quand même, c'est beau hein. Regarde un peu. On fait oui. Il y a un poteau. Ah bah oui. D'accord. Mais les poteaux. Ouais, c'est juste le mot des... Non, c'est pas un jambon. Et c'est un mi-cuit, il l'avait précisé. Ah, et si tu manges pas tout le jambon, je pourrais le mettre sur ma pizza. Regarde cette salade. Cassolette. Alors attends, Electra Glide 60e anniversaire, sorti en 2021 ou 2022, je sais plus, numéro de série, j'en vois partout et là, 23 sur 1500, je l'avais pas celle-là. Voilà, maintenant tu l'as. Allez, on va faire une photo avec. Eh, t'y vais. Prends une photo. Habituellement sur de nombreuses motos et de ce type de motos.
les bagueurs. On est à Louis Lacour, il n'y a pas de route 30, il faut que tu viennes ici. On va aller voir les amis de chez iFool. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Putain, elles sont toutes plus ouf les unes que les autres. Et alors, je peux affirmer à 100% que les Belges ont un goût extraordinaire pour faire leur moto. Elles sont vraiment magnifiques. Nous sommes en présence ici de fans incontestables et incontestés de Fry HD. Ouais. Ah là là, ils ont gagné leur sticker. Les motos, encore des motos. Hey, quand je fais des conneries, tu dis arrête, c'est gênant. Bah là, arrête, c'est gênant. Le rêve est là. J'ai filmé la 23 tout à l'heure, ouais, mais la selle n'est pas d'origine. Ils ont mais là, c'est pour te préciser, et laquelle c'est 261. Je les aurai toutes un jour. On fait la engine. Et voilà, c'est le départ. Voilà, c'est la fin de ce week-end. On se quitte sur ces belles images derrière moi. J'espère que vous aurez passé un bon week-end avec nous. Je vous laisse avec les images du retour où on va certainement prendre de la flotte. Allez, à ciao.